Coucou, j'espère que vous allez bien mes plumes surtout. Bienvenue dans les stories de Lorenza la plume. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous avons Lolo Beauté qui, une fois de plus, clash copieusement Tiesco le Sultan. Voilà alors à quoi s'est réduit le love story devenu love vélo entre Tiesco le Sultan et Lolo Beauté. Pour ceux qui ne le savent pas, le week-end dernier, Tiesco le Sultan avait été invité à une émission, les polémiques ou un truc de ce genre, d'où il a fait encore mention à Lolo Beauté sur le fait que pendant le buzz, elle avait manqué le respect à ses parents et qu'il ne doit jamais lui pardonner, qu'elle soit vraiment sur ses gardes, car si elle franchit les 5,50 m, même pas égarement, vraiment, il ne doit pas du tout la louper jusqu'à ce qu'elle demande pardon à ses parents. Donc, comme nous connaissons tous Lolo Beauté, une fois que cela lui est parvenu, elle a donc fait une sortie question d'humilier donc davantage Tiesco le Sultan, aller jusqu'à l'escrime, même ce qu'on ne dit pas. Lolo Beauté a dit. Vraiment, moi, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé entre ces deux. Moi, je me dis que sûrement ces deux voulaient vraiment faire quelque chose de sérieux et puis qui n'a du tout pas marché. Peut-être les sentiments étaient à sens unique et alors, comme peut-être personne des deux, celui qu'on n'aimait pas, peut-être ne voulait pas se sentir humilié, ils ont alors décidé de mettre ça sur la tête du buzz, quoi. Donc, vraiment, je suis déçue, je suis vraiment choquée, voyant à quel niveau ils sont arrivés dans leurs affaires de ou ces buzz, ou ces love story et tout, au point d'inclure les parents, au point d'inclure les enfants qui n'ont rien à y voir là-dedans. Et d'une part, ça avait également servi d'exemple, je ne peux même pas dire exemple, de leçon autant pour moi, à tous ces gens-là qui se disent souvent que c'est dans les buzz qu'on a la visibilité, c'est à travers les buzz que voilà, on a tellement d'opportunités sur la toile. Voilà ça aujourd'hui, voilà ça. Et même si c'est que vraiment les sentiments n'ont pas été, mais c'est chacun prend sa route et puis chacun continue sa life. Au lieu de venir se faire humilier de la sorte, parler des kiki, parler du mouli, tout ça. C'est que sûr, vous deux là, c'est que sûr, vous seul vous savez pourquoi toute cette haine entre vous deux. Vous seul vous savez. Lolo Beauté dit que son kiki était petit, donc c'est ça qui t'énerve autant parce que son kiki était petit. Hein? Est-ce que c'est lui qui a voulu que son kiki soit ainsi? Bref, anyway, mais tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux souhaiter que vraiment ces deux essayent vraiment de trouver le juste milieu afin vraiment de se demander pardon mutuellement et chacun prend sa route. Parce qu'à cette allure-là, vraiment, c'est plus beau à voir. Donc, sur ce, mes plumes, je vais vous laisser le soin d'écouter tous les dits de Lolo Beauté. N'oubliez pas de faire comme d'habitude, liker, commenter, partager, surtout abonner massivement pour ne pas louper mes prochaines publications. C'était Lorenza la plume. Bye bye. Coupez cette partie là, mettez ça sur les pages. Tiesco le Sultan, c'est vrai, on a partagé de bons moments de complicité. Je te voyais comme un petit frère, moi tu me voyais comme une grande soeur en train de faire le buzz et autres. Tu vois, arrivé à un moment donné, ça allait un peu plus loin. Tu as voulu qu'on aille au village. Parce que toi, le rebelle, on ne peut pas te forcer à aller dans ton village. Tu es toujours sur tes gardes. On est allé au village. Peut-être qu'en partant au village, tu avais voulu que ce soit sérieux. Ça pouvait être sérieux entre nous. Je pouvais t'apporter cette affection, cet amour-là. Si et seulement si tu avais un bon kiki. Franchement, je te dis à cœur ouvert. Aujourd'hui, je te dis à cœur ouvert, si tu avais le kiki qui va avec, j'allais rester avec toi. J'allais te produire et j'allais te mougou pour mettre dessus. Parce que je ne peux pas investir mon argent dans un corps sans que je ne puisse utiliser l'appareil génital de ce corps. C'est impossible, c'est une malédiction pour moi. C'est vrai, je t'ai prête à te produire, à m'occuper de toi. Parce que le visage, il est beau. La taille reste à voir. Mais le kiki ne m'a pas convaincue. Voilà pourquoi j'ai été rebelle.
Je comprends pourquoi les mamans de tes enfants ont tchala dès qu'elles ont eu le papier. Parce que tu n'arrives pas à satisfaire une femme. Ce n'est pas un mensonge. Quand je me suis rappelée des dits d'Apoutchou, comment Apoutchou a su que tu avais Kiki? C'est parce que la mère de tes deux derniers enfants est rentrée en contact avec lui pour lui donner. Sinon, Apoutchou, tu n'as pas mouru avec Apoutchou. Mais comment Apoutchou sait que tu as petit Kiki net? Apoutchou l'a dit ici. Mais moi, je me persuadais pour dire je dois investir. Donc, il faut que je voie. Dès que j'ai vu net, j'ai été découragée. Donc, le plan a capoté. C'est vrai. Tu dis que j'étais amoureuse. Oui, j'étais amoureuse de ton visage. Et j'ai été découragée par le kiki. Je te conçois ça, oui. Maintenant, en tant que la femme amoureuse, moi, je viens te dire aujourd'hui, je cherche mon mari. Je cherche à me caser. Je ne veux plus faire les clashs, les injures. Voilà la cocaine qui ne veut pas nous prendre à cause de ça. Bon, finalement, ils ont cédé. Donc, laisse-moi. Tu vois, depuis que tu m'as laissé, d'après toi-même, je déprime. Réellement, je suis devenue vilaine. Je ne suis plus attirante. J'ai goumé, ça se lit dans mes yeux. Pardon. Moi, je viens te dire aussi que laisse tourner la page. Avance dans ta carrière. Oublie ça. Si c'est le pardon que tu attends de tes parents, je ne vais jamais les demander pardon. Wallahi bilahi talahi. Tu vas mourir avec ça. Parce que au fait, ils sont personne pour moi. Je n'ai pas demandé à faire leur connaissance. Tu dis que j'étais forcée pour aller à Gagnoa. Mais j'étais forcée aussi d'aller connaître ta mère. Mais pourquoi tu n'as pas eu l'intelligence de dire, celle-là, il faut que je la mette à l'écart. Même tes enfants, tu m'as supplié de les envoyer au restaurant. Comment je parle, je n'ai pas les preuves. Mais toi, tu n'as aucune preuve. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Actuellement, je suis loin, mon bébé. Tu vois, je ne te déteste pas. Je suis prête à danser sur ta chanson parce que c'est la seule meilleure chanson. Je t'ai toujours dit, concentre-toi sur ta chanson. Tu es talentueux, mais tu es imbuzable. Peut-être que parce que tu portes la poisse. Je ne suis pas la seule à dire que tu portes poisse. Apoutchou l'a dit, tu n'as pas pu faire le combat avec lui. Pourquoi tu laisses le gros et tu t'attaques à maman Abibiel? Qu'est-ce que je t'ai fait? Maintenant, si tu es tombée amoureuse de moi, amoureux de moi, tu vois, on peut gérer. Si tu es tombée amoureux de moi, on peut gérer. Condition numéro 1. Tu viens utiliser le produit pour faire grossir le kiki. Condition numéro 2. Je ne veux plus te voir dans les faux buzz, dans les injures. Concentre-toi sur ta chanson. Condition numéro 3. Les dents, on les brosse. Si tu as les trois qualités, même si tu es pauvre, tu n'as pas l'argent, ce n'est pas grave, moi je te prends. Je te prends. Tu es venu dans ma maison, tu as dormi sous la clim. Tu sais de quoi je suis capable. Tu sais que je suis capable de te laver. Mais sans le kiki, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. Je suis désolée. Arrêtons les histoires de clash, des injures. Moi, je suis fatiguée de ça. Quand un garçon discute trop avec une fille, c'est qu'il est amoureux. C'est vrai. Tu pensais que j'étais vilaine. Parce que moi, quand on me voit en vrai, quand on me voit sur les réseaux sociaux, je suis carrément différente. Quand tu m'as vu en vrai, tu es tombé mou. Tu pensais que je pouvais t'offrir la lune. Mais je suis une pauvre mère de 5 enfants. Comme les mères que tu as abandonnées, laissant tes enfants à Lyon avec ces mères-là. Voilà, on est même chose. Tu vois, c'est les baisses qui nous intéressaient. Tu vois, on a pris nos baisses, on s'est cassé. On ne dure pas avec un garçon qui doit nous rapporter les baisses. On prend pour nous, on gagne en temps. Et on prend les vrais mougousseurs. Je suis désolée si je t'ai fait du mal. Je suis désolée si ce beurre s'est transformé en cacahuète. Je suis désolée s'il y a eu cette mésentente.
Mais moi, je te prenais comme un petit frère. Mais c'est parce que tu voulais jouer trop au gros bras en venant me clasher sur Internet en disant que j'ai les papos de Lolo. En ce moment, j'ai mis cocotta. C'était rien de méchant. Tu es un petit frère à moi. Si je dois te corriger, c'est en public. Après, on passe. Regarde-moi comment je suis devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux plus me mélanger avec les injures, avec les clashs, avec les paroles grossières. Quand tu regardes sur ma page, je joue avec mes enfants parce que ce sont mes meilleurs amis. Je fuis les problèmes, je fuis les clashs parce que quand je commence, c'est vilain. Donc, mon petit, je te dis, calme-toi. La lionne t'a déjà couché. Je ne veux plus faire de clash avec toi. Aujourd'hui, de la manière que Manadi a confirmé voyage, j'ai envie de te voir voyager comme ça. J'ai envie de te voir prospérer parce que j'ai vu tes enfants. Je les envoie au restaurant. J'ai eu mal, c'est vrai, c'est un clash, on dit des choses. Mais j'ai eu mal lorsqu'on était assis au restaurant et que tes propres enfants, à part le McDo, ne connaissaient pas ce qu'on appelle le savoir-vivre d'un restaurant de luxe. J'ai eu mal. Quand j'étais assise, ils faisaient le bruit avec les fourchettes. Je voyais comment tu étais mal à l'aise en les disant « Non, laisse ça, non, fais ceci. » En 10 ans de carrière aujourd'hui, tes enfants devaient aller à Manhattan, à New York. Tu devais être l'un des artistes qui voyage avec tes enfants parce que tu aimes tes enfants. Tu devais être un artiste qui est toujours entre deux avions. Tu ne devais pas être un artiste qui est toujours en conflit avec une femme. Avant, c'était Emma Louès, après Carmen Sama. Qui d'autre? Que dis-je que tu ne sais déjà? Tu es tombé sur Lolo Beauté. Elle-même, elle n'est pas garçon. Elle n'est pas femme, elle est garçon. Elle ne va pas te laisser. Donc, laisse tomber. Attaque-toi à tes amis garçons, comme Apuchou. Apuchou, qui te clash, tu ne peux même pas répondre. Mais si tu réponds fort, il va te frapper pour mettre dessus. Parce que, on pense que tu es un peu grand, mais tu es un nain de jardin. Tu es très court. J'ai vu Apuchou. Moi, Apuchou, on a marché ensemble. Apuchou est gaillard. Toi, tu es petit. Va t'écraser comme moustique. Concentre-toi sur ta chanson. C'est pas méchant. Quand tu vas sur les plateaux télévisés, comme aujourd'hui, ne répète pas à faire de Lolo Beauté parce que je deviens maintenant une source d'inspiration pour toi. Non, je veux pas ça de toi. Je veux que quand tu arrives sur le plateau télévisé, quand on veut te faire rentrer dans les buzz, tu dis non, je suis venu ici pour ma chanson. Je suis venu parler de moi et non de buzz. Parce que ces plateaux-là, c'est des plateaux à polémique. Ils te mettent à l'honneur pour que tu parles mal de moi, pour que je vienne insulter tes parents. C'est pas bon, c'est pas joli à voir. Parce que tu n'as pas bouche que moi. Arrêtons, c'est pas important tout ça. Tu peux continuer ta carrière. Lolo Beauté, aujourd'hui, elle est devenue belle, charmante. Aujourd'hui, elle est en train de manger au pouvoir actuellement, mon petit. Celui qui mange Lolo Beauté est plus grand que ce que tu peux imaginer. Il ne veut pas me voir dans la bassesse. Donc, arrête. Construis ta vie comme Lolo Beauté s'est refaite. Avance comme Lolo Beauté est en train d'avancer. Tu n'es pas du futur. Au fond, tu n'es pas méchant, mais tu es bête. C'est ça ton problème. Sinon, tu n'es pas méchant. C'est le petit côté bête que tu penses que tu es voyou qui te fatigue. Mais tu n'es pas voyou. Tu es juste un petit con qui sert à te sortir. Mais tu peux souhaiter le bonheur pour toi. Moi, partout en met ta chanson, je vais te valoriser. Si tu attends à ce que je vienne poser ma caméra pour dire « Ah, maman de Tiesco, papa de Tiesco, maudit au carré, je ne le ferai pas. » Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui dois lui demander pardon. Parce que c'est toi qui as tiré mon corps pour m'envoyer là-bas. Moi, je n'en ai rien à foutre. Je n'étais pas présenté mes parents parce que je sentais la poisse venir. Je préférais prendre la poisse, mon seul. Tu m'as envoyé chez tes parents, ça causait une poisse. Donc, arrête d'arriver à un moment donné. Tu demandes pardon à ta maman aujourd'hui, mais tu retournes toujours dans les clashs avec les mensonges. Quand tu quittes les plateaux, tu sais que tu es en train de mentir. Donc, arrête. Arrête. Quand tu dis, Lolo, viens montrer la vidéo de mon kiki, je ne le ferai pas. Mais toute personne qui me demande, moi, je peux les envoyer. Mais quand je vais montrer, ce sera la fin de ta carrière. Et je ne veux pas être ce chemin-là qui va te détruire.
Parce que je t'assure, si les gens voient ton kiki, ils ne vont plus te dire bonjour. Mais je ne le ferai pas. Peut-être que tu penses que je vais venir t'exposer. Je ne le ferai pas. Moi, mon pétou est dehors, rempli de scie. Et puis, je reste focalisée. Mais toi, tu ne le peux pas parce que tu as un mental faible.